Alors François, un petit tour. Avec Ah, en plaisir. plus, je sais que tu aimes bien ce type d'effet. J'ai quelque chose à l'intérieur, mais pour l'instant, je laisse caché. Comme j'ai vu que tu as regardé, il est bien gros, cet étui. Donc c'est en fait, tu peux toucher. Ouais. Il y a quelque chose dedans. C'est un tour gonflé. C'est facile le cas de le dire. Non, donc avant de faire quoi que ce soit, alors je te le dis à toi, normalement je ne le dirais pas à un spectateur profane, bien sûr, mais comme tu fais de la magie quand même depuis un moment, il y a beaucoup de magiciens qui font choisir des cartes, tu sais, en défilant les cartes. Ce qui fait qu'on défile, on regarde sur la carte qu'on s'est arrêté, et puis bon, la carte est prise. Mais si je te fais ce système-là, on pourrait penser, et c'est vrai, que peut-être je m'arrête à une carte bien spécifique. D'accord? Si je te demande de prendre le jeu, de rifler les cartes, et t'arrêter par exemple sur une carte, de la prendre et de la regarder, on pourrait penser peut-être qu'effectivement j'utilise des cartes, je vais pas dire les mots, mais des cartes spéciales où tu t'arrêtes sur une carte près, ou alors. Donc je vais pas faire ce système-là. Si je te demande également de choisir les cartes en te montrant comme ça les cartes une par une, c'est-à-dire je vais te les montrer, et quand tu veux, en fait, tu me dis stop. On pourrait penser, et c'est vrai, qu'automatiquement mon jeu est classé dans un ordre bien spécifique, et que peut-être si tu me dis stop à la dixième, je la connais. Si je te fais choisir une carte en éventaillant le jeu pour que tu choisisses une carte, on pourrait penser également que si tu prends la carte, on est entre nous, des fois on sait que sur les cartes on peut deviner la face alors qu'on ne regarde pas et tout ça. Donc je veux pas ça moi. Moi je veux que le choix que tu vas choisir dans les cartes soit totalement libre et fait par toi. Et pour ça, on va entièrement cacher les 52 cartes. Et pour les cacher, c'est très simple. On va les cacher par un foulard. Tout ça va être caché. D'accord? Et regarde bien. Hop, juste ici. Toi-même, tu vas le faire. Examine que je n'ai rien dans les mains. Très important. Que ce n'est pas un foulard spécial. Non, tout va Ok? bien. Et tout ça, tu vas le mettre sur le jeu. Voilà, je remonte ici, juste là. Hop, et toi-même, tu vas tenir le jeu. Peut pas tricher. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir le jeu et tu vas couper où tu as envie. Alors, juste D'accord. là. Ne le lâche pas. Juste, Ouais. ouais, c'est bon, maintenant je le tiens et tu coupes où tu as envie. Alors, tu peux même rifler les cartes si tu as envie. Est-ce que tu sens que tu peux aller plus haut, plus Voilà. bas, ou est-ce que Oui, tu as le choix? ça défile où je veux. Donc, Je il n'y a pas m'arrête. d'embrouille. Tu t'arrêtes Voilà. là? Hop. Je fais un break Ne lâche ici. pas, c'est bon. Non, je ne regarde pas, je vais enlever le jeu. Je vais te demander de regarder la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Ouais. C'est bon? J'ai pas vu. J'ai envie de savoir. C'est bon? C'est bon, j'ai vu. Et tout ça est de moi, de façon à ce que je ne regarde pas. Pour remettre l'autre Ouais. dessus. Voilà, au moins on peut toujours pas dire que je regarde le dos. Maintenant, Voilà, récupère tout. le jeu est Voilà, reconstitué. c'est bon? C'est bon. Donc, je garde pas de break, pas de brisure. Et alors, tout ça, Bon. je ferme et tu le gardes. On peut faire plus clean que ça. Oui, chef. Là, apparemment, maintenant, ce que je vais te demander, c'est pour retrouver ta carte, parmi les 52 cartes, puisque seul toi l'as vue, d'accord? Moi, j'étais justement en dos retourné. Tu vas imaginer que toutes les cartes qui ne sont pas les tiennes, tu les fais disparaître. Tu les effaces de ta tête. D'accord. Donc, c'est-à-dire, imagine, je sais pas, tu as choisi par exemple le 5 de pique, tu effaceras comme ça le 1, le 2, le 3, le 4, le 6, le 7 à pique, et tout ça à cœur et à carreau, et ainsi de D'accord. suite. Ok? Donc, vas-y, fais mentalement. Mentalement, tu effaces toutes les cartes, comme si elles n'existaient plus. Ça y est. Et ce qui fait qu'il en reste une seule, la tienne. Oui. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de la voir maintenant. Ah bon? Eh oui? Et parce que c'est une sur 52. Ah bah oui. Bon, alors, À force. c'est peut-être mentalement ce que. Enfin, c'est un effet mental ce que je te demande. Mais moi, physiquement, j'arrive à le ressentir. Ah ouais? Ah ouais? D'ailleurs, tu sens pas qu'il est plus léger le jeu? Il a réduit un peu, oui, T'as vu? Eh ouais, c'est parce que effectivement. tu commences à toutes les. Mais c'est pas une blague, hein! Tu commences à toutes les effacer, et du coup. Ah ouais, là c'est sûr et certain. Carte rouge. Exact. Je parlais du dos. Non, je plaisante. C'est une carte rouge Si, ça. sur la face. C'est une carte à carreaux. T'as pas tout effacé dans les carreaux. Et efface vraiment tous les carreaux. T'as laissé la tienne? Quatre de carreaux. C'est exact? Attends, attends, c'est pas fini. C'est ça? Ouais, C'est les cartes de exact. carreaux? Maintenant, puisque tu as réussi à effacer les cartes mentalement, je veux que tu le fasses physiquement. Au moment où tu claqueras des doigts, toutes les cartes vont disparaître. Vas-y.
Tu crois que c'est possible? Bah là, je sens bien qu'il en reste. Vas-y, pose le jeu et étale comme ça le foulard. Et en fait, c'est réel. C'est vraiment réel ce que je t'ai demandé parce que regarde, toutes les cartes ont entièrement disparu. Quand j'ai toutes, c'est que toutes. Toutes les cartes des deux côtés sont devenues entièrement blanches. Entièrement blanches et t'en as laissé qu'une seule. Vraiment, regarde, toutes les cartes. Et t'as laissé vraiment une seule et unique carte, la tienne. Alors je sais ce que tu vas penser. Tu vas penser peut-être que le jeu est truqué, mais pas du tout. Parce qu'on peut entièrement donner les cartes à examiner. Toutes les cartes sont devenues blanches, 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 blanches. Et la seule carte qui reste, c'est la tienne. Bravo! Encore fait avoir. Bizarre. De toute façon, ça, je suis pas là. C'est pas la première ni la dernière fois, je pense. Touche, on ne sait jamais. Ah oui, il n'y a pas de carte collée, pas de carte bizarre. Tu peux tout donner, examiner. Super. Voilà. Alors que je coupe n'importe où. Bizarre. Tu vas me faire encore réfléchir.